ça va, ça va. Il n'y a rien de grave, ça va. Réveille-toi calmement. Comment tu me réveilles? Comment tu me réveilles fort comme ça? Réveille un peu, Rico. Cargo, on se lave le visage vite, on cherche ce qu'on peut choper. C'est déjà le matin, man. Bis. On a dormi, c'est-à-dire que tout le corps me fait mal. Et puis, je me réveille seulement comme si c'était la guerre, mon frère. Il faut qu'on quitte d'ici là. Les gens peuvent venir prouver que nous, on en a ici là. On se lave vite le visage là. Après, on cherche ce qu'on peut dire. Aïe. Ah, depuis, je ne me réveille plus comme. Tu m'as fait peur, mon frère. Qui? Gars, enlève ta tête sur ma clé, mon frère. Ah, tu dors sur moi comme si, comme si j'étais ta femme. C'est déjà le matin, mon frère. Il faut qu'on bouge ici. Il ne faut pas que les gens trouvent que. On en a out. Toi, tu laves le visage. Non, hein? toi, tu veux marcher comme ça sans te laver le visage. Non, il n'est pas là, il a voyagé. On prend juste quelques minutes. Quel est le problème? Depuis où tu fais quoi? C'est de ça que je parlais, non? Depuis où? Tu n'as pas envie quelques clips? On déjeune, non? Depuis où? Tu parles? Ça? Gars! Voilà. Tu enlèves seulement une ou deux prunes, non? Pas manger. Quel vit ou pas? Non, pourquoi moi, il ne mange pas les prunes? Mais s'il est déjà en haut, il vit alors, on descend, non? Bisous! Moi, il ne faut pas qu'on aime nous attraper ici, là, mon frère. C'est quoi? C'est comme si le courant vient de me frapper. Quoi? Le courant comment? Comment c'est le courant? Et qui? Gars, c'est comme si je suis calé, tous mes deux mains sont calés. Et qui? Gars, ici, pardon. Laisse-le voilà, descends encore. Laisse-le même encore. Gars, go. Il y a le Willa qui est attaché sur ça. Oh, il y a les remèdes. Il y a les remèdes. Il y a les remèdes sur le premier. Tu es calé. Tu es calé. J'ai pas vu ça. Ouais. Merde. Tu t'es bien dit, ne monte pas, tu montes quoi? Tu fais quoi là-bas en haut? Hey, les gars, faites quelque chose, pardon. Saute alors. Saute. Enrico, c'est comment? Je vous ai bien dit que qu'il ne monte pas. Allons, attends. Aussi... Monte, tu parles à l'été. Non. Monte, tu parles à l'été, non. Il non. Moi, j'ai le mal de l'air. Je vous ai dit ça. Regarde, non. On dit souvent que quand tu as embroussi le serpent de mort, tu dois boire tes urines. Oui, c'est vrai. Bois tes urines. Gars, je vais boire mes urines comment? Mes deux mains sont calées. Tu ne vois pas. Ça ne quitte pas. Je vais boire mes urines comment? Avec fais quelque chose, pardon. Bisous. On dit que, attends, ne bouge pas. Comme c'est le remède là, non. Si la terre te touche, ça va te délivrer. Ne bouge pas la tête. Pourquoi tu esquives? Tu veux caler la tête. C'est comment? Aïe, mes noyaux, haricots, c'est comment? Visez le gris, ne visez pas sur moi, c'est comment? Attends, non. Non. Gars, vous n'avez pas une autre solution. Ça, tu ne quittes pas. Laisse un peu. Pourquoi tu veux viser la pierre? Haricot, c'est comment? C'est quel caillou que tu lances qui casse les arbres comme ça? Ça m'a raté, mouf. Pardon, je vais descendre pas. Mais attends. J'ai une solution. Tu vois, Biakolo. Comme Biakolo court en brousse tout le temps. Là. Il m'a dit qu'il a le concre de tout. Mm-hmm. Comme il parle avec les animaux, il parle avec les arbres là. Donc s'il n'est pas appelé Biakolo, il peut certainement trouver la solution. Fais-le. Si les gens là viennent, ils vont appeler Biakolo. Oui, papa dit, il va appeler Biakolo, pardon. Ne fuis pas. Je fuis comment? Baba dit ne fuis pas, pardon. Baba dit ne fuis pas. Je fuis comment? On a une solution sur le coup. Si les gens là viennent, il est fini. J'ai espoir, pardon. Tu appelles Biakolo, pardon. Merde. Thank you.
Regarde, je vais essayer de viser ça. Regarde, il faut que j'essaie quand même de te sauver. Haricot, je vais descendre d'ici. Bon, mademoiselle, arrêtez. Ah non, arrêtez. Voisine. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi de te déranger. C'est comment la situation avec ton gars là-bas, c'est comment? Je ne sais pas. Et toi-même, comment s'est passé l'interrogatoire avec l'antigan là? Mal. Excuse-moi, vraiment. Je compatis vraiment à ta situation actuelle. Tu vois, c'est pas bien tout ce qui se passe dans ta vie là. C'est des moments très compliqués dans la vie d'un homme. Bon, ce que moi je venais de te voir à propos, c'est que, où tu vois là, non, je suis en train de voir que ton gars, il ne va pas revenir parce que la façon dont il a fui là, je suis moins sûr qu'il va revenir. Et tu vois, tu es une fille bien qui doit être protégée et tout ça. Bon, moi je vais aller gros buter. Hein. Tu sais, j'ai un problème là actuellement, c'est que ma mère m'a chassé de la maison. Parce qu'elle estime que je suis pas un bon gars, je suis pas responsable, j'ai fait la prison et tout ça. Bon, moi actuellement j'ai un problème qui me craquasse, c'est que je n'ai pas où dormir. Et je voulais donc te demander si je peux venir, comme ton gars ne va pas revenir là. Donc, toi, tu connais déjà que mon gars ne va pas revenir. Non, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Parce que s'il revient, là, on le prend. Mmh. On le prend. Et ça va te mettre dans les problèmes. Je suis donc venu te proposer que... Je viens te demander, c'est une demande, s'il peut venir dormir chez toi là, de temps en temps. Étant donné que ma mère, là, ma petite sœur, là, ça me permet de contrôler. Non. Je suis venu en paix, non? Pourquoi toi aussi, tu ne veux pas me comprendre? Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Je te propose ça. Tu es une fille et il te faut quelqu'un pour te protéger. Et la personne, bon, c'est toi. Non, je ne viens pas comme déjà sentimental, que je viens pour te faire la cour, déjà mariage. Je suis juste là parce que je suis dans une situation. Toi aussi, tu es dans une situation. Et quand on est dans des situations, on se complète. Je te parle de ma situation que je n'ai pas où poser la tête actuellement. Là. Je n'ai pas où dormir. Si tu peux... De temps en temps, m'héberger là. Même si je ne passe pas la journée, le matin, moi, je sors très tôt, je pars. Dès que je résous ma situation, et puis je te laisse tranquille. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais ça. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que tu racontes là ne m'intéresse pas. J'ai trop de problèmes. Ça ne m'intéresse pas. Donc, merci. C'est justement parce que moi, je suis dans les problèmes que je viens aussi te voir. Non? Pourquoi vous aimez seulement quand on commence à vous dire vos vérités, que quelqu'un vient vers toi pour la paix? Maintenant, attends. Toi, tu regardes, ma mère qui est là, elle me met d'abord dehors, moi qui suis son fils, parce que je suis un voleur. Imagine un peu, vous, elle ne vous connaît pas, toi, elle ne te connaît pas. Imagine un peu qu'elle apprenne là, que je m'en vais lui dire là que ton gars, c'est un voleur, toi-même, tu es une voleuse, et qu'un antigang est même venu là. Tu sais que tu ne vas même plus passer une heure de temps là-bas. Alors, parce que vous aimez seulement que quand on vous parle doucement, qu'on vous dise vos vérités. Moi, il peut m'énerver là. Comme je suis un homme de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dis que non, je viens pour la paix. Je viens te parler ça doucement. Que essayons de gérer la situation. Tu es dans une situation, je suis dans une situation. Essayons de gérer ça. Attends, tu parles beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. La situation, si. Donc, vos choses là, ce n'est pas à cause de vous que je suis ici. Laissons les histoires que c'est à cause de nous. Maintenant, la situation est déjà là. Il faut la gérer. Donc, tu préfères quoi? Que j'aille dire à ma mère qu'elle héberge les voleurs chez elle. Quand elle te regarde même dehors là, tu n'es pas comme une fille que si on la met dehors là maintenant, elle va trouver un endroit où elle va habiter aussitôt. Tu n'as rien. Excuse-moi de te dire ça, mais tu n'as rien. Ou alors tu préfères que j'aille lui dire là, je parle là maintenant, je lui dis que voilà les voleurs qui sont là-bas, les anti-gangs étaient même là. Hein? Ou bien tu préfères que je reste tranquille. Et ça nous sauve nous deux. De ton côté tu es bien, de mon côté je suis bien. Ça reste notre petit secret. Pourquoi vous aimez seulement quand on crie, hein?
On vient vers toi, qu'on vient pour la paix. Toi, tu veux maintenant que je commence à utiliser les anciennes méthodes, alors que quelqu'un a dit qu'il veut changer. Tu veux être là pour combien de temps? Le temps pour moi de résoudre mon problème. Est-ce que c'est une histoire que je vais rester là éternellement? Tu dors au sol. Moi, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que j'ai un endroit où je peux poser ma tête. Hein? Est-ce que tu as dit que je viens pour une histoire, que c'est le mariage ou bien que je fais? Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est ta mère qui a... En tout cas, moi, je n'ai pas mon souci. Alida! Alida! Viens ici. Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Maman qui construit. Non? Donc à peine je tourne le dos, regarde comment tu es déjà habillé. Je fais un jour dehors, tu t'es déjà métamorphosé. Caméléon woman, regarde comment tu es habillé comme une prostituée. Pantalon déchiré, tu t'es cressé. C'est la vie là que tu veux mener, non? C'est pourquoi vous me chassez de votre maison pour vivre votre vie comme vous voulez, comme bon vous semble. Qu'il n'y ait personne auprès de vous pour vous contrôler. Elle et toi, c'est ça, non? Elle a pris l'argent pour lancer les travaux. Tu me demandes, tu veux que je te dise quoi? C'est maman qui fait ses travaux. Ne me pose pas les questions. Celui qui pose les questions ici, c'est moi. Depuis quand tu me poses que tu es malade dans ta tête là? Ariko, Baba Diego, depuis là, il ne vient pas encore. Il n'est pas encore rentré. Regarde ce qu'on va faire. Hein? Reste fort dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je pars chercher Biakolo. Non, tu ne bouges pas. Je bouge pas, pourquoi? Si tu bouges, je crie au voleur. Tu vas m'abandonner ici, la seule. Tu cries pourquoi? Moi, je vais courir, tu vas rester calé là-bas. Tu ne bouges pas. Si je vais chercher les secours, toi, tu me demandes de pas bouger comment? Pourquoi tu as même le un cœur comme ça, là? Donc, tu vas me laisser ici, seul. Je te connais, tu vas fuir, tu vas plus revenir. Ne crie pas, reste tranquille, fais-moi confiance. Ariko, je dis non. Ah, Ovo, Ariko! Ariko! Ah, Asso, je ne connaissais pas parler français, hein, mais je vais quand même essayer d'expliquer. La Coupe d'Afrique, si, il sent que ça va mal tourner. De toute façon, moi j'ai confiance à ces gars. Faut seulement qu'ils nous ramènent de bons résultats. Cette histoire de confiance n'est pas la même partout, mon frère. Ça ne va pas. Attends, tu parles déjà de quoi? Depuis que j'ai perdu mon travail, je suis revenu dans ce quartier. C'est le chef du village qui a été la première personne à vouloir m'expulser. Et tu sais pourquoi? Tu te souviens des trois gars que j'avais mis derrière les barreaux la dernière fois, non? Oui. Oui. Ils sont sortis de la prison. Et en sortant, ils ont fait un ramassis d'histoires là, disant qu'il y a eu une. Ils ont appelé ça. Voilà, une ONG qui viendra leur donner 3, 4, 10 millions de francs. Jusqu'à le chef du village a gobé cette histoire et a pris le flambeau du quartier donné à ses malfrats. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai. Mais pourquoi moi? Atango, même à ma femme, je ne parviens pas à lui faire l'amour parce que je suis stressé. Oh. Attends. Ça a duré combien de temps? Quoi? Non, mais... Je crois qu'avec madame... Donc, de toutes les histoires grammatiques que je raconte là... Non, ça c'est plus grammatique. Hein. Ce que je dis, c'est grammatique. Tu vois, c'est très grammatique même. En fait, c'est parce que je veux comprendre à quel niveau, à quel degré de stress tu te situes. C'est pourquoi je demande avec madame
combien de temps ça a duré. Si ça n'a pas donné, tu vas aller déjà prendre, tu veux déjà prendre ma femme. Non, ce que tu veux. Ne prends pas mal. Non, 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 je prends ça mal. Hein? Tu me demandes combien de temps j'ai mis avec ma femme. Tu la veux déjà? Si je n'ai pas pu durer, tu voudrais me remplacer? Non, le plus important, c'est que tu dures dans ta relation. Mais c'est parce que tu es mon ami que je me soucie de ça, que j'essaie de voir comment est-ce que ça avance, comment ça se passe, tout ça. Rien d'autre. Tu fais quoi avec ta femme? Si tu voudrais vraiment savoir si ça avance, tu devrais plutôt me donner les résultats de ton enquête. En fait, l'enquête avance. On essaie de crever tout ce qu'il faut et les mettre ensemble pour que qu'on puisse comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais ne t'inquiète pas, dernièrement on a fait une sortie, mais c'est la pluie en fait qui nous a empêché d'aller jusqu'au bout. Mais je sais que d'ici à là, les choses vont se peaufiner et on aura un bon résultat. Attends là, tu n'as pas intérêt à rater cette enquête. Elle doit aboutir. Parce que c'est la seule chose qui me maintiendra encore en vie dans ce quartier. Si je perds mon boulot, je suis mort, sérieusement. Tu ne peux pas le perdre. Je suis sur le coup. Grand frère. Pardon, je veux un peu le plat d'haricots. Le plat de... Comme depuis, il a commandé, il ne mange pas. Je voulais un peu le plat d'haricots. Pardon, j'ai faim. C'est comme ça qu'on demande? Non, grand frère. Donc tu arrives là, tu te pointes et puis tu commences à demander les... Tango, c'est... Calme-toi, laisse-moi tranquille. C'est comme ça qu'ils font partout, se renseigner. Ce service de renseignement, c'est comme ça qu'ils ont fait. La dernière fois, ils ont fait ça et puis... Il a faim. Non, il n'a pas faim. Non. Il n'a pas faim. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Il vient ici, demande lui. Tu te calmes. Attends, oh, calme-toi. Les problèmes. Non, 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 il veut juste se manger. Oh mon Dieu. Calme-toi. Tirer. Nous ne sommes pas en train de bataille. Ah non, Madère! Non, 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 pas. Tire la bulle! Non! 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 Calme-toi! Calme-toi! Écoute, écoute, nous ne sommes pas en guerre! Nous ne sommes pas en guerre! Il est tombé! Mon frère, mon frère! Calme-toi! Personne n'est tombé! Nous sommes deux! Tire la bulle! Nous sommes deux! Non! Tu me reconnais pas! Non! Ça va aller! Ça va aller! Courage, mon frère. Tu connais les gars, Inch'Allah? Oui. Il y a souvent le papillon qui accoumatise les personnes qui sont en face. Comme les gens le concernent. Comment tu expliques mal comme ça? Explique bien moi. Comment on me va lever pour tout? Je suis en train d'expliquer bien non. Ah là là. Oui. Je parle les. Grand frère! Salut petite! Bonsoir! C'est comment? Ah, je suis là, non? Tu fais quoi? Je suis avec mes amis là, non? C'est votre maison ici? Non, ce n'est pas chez nous. Ta grande soeur est là? Non, elle n'est pas là. Tu ne sais pas que ce n'est pas chez moi ici. Grand frère, depuis là, le truc que tu connais là, depuis moi, je te cherche, je ne te vois même plus. Pour le... Pour le truc là, non. Quel truc? La liste là. La liste. Ah, ah, c'est pour ça que tu m'appelles comme ça. Oui. Non, en fait, je vais t'acheter ça. C'est que j'ai remis mon argent à mon frère. Donc j'attends qu'il me remette cet argent. Je vais acheter tout ce que tu veux. Parce que tu c'était quoi, les bonbons, les yuppies, mm-hmm. et les chaussures pour ta soeur, non? Mm-hmm. Donc reste juste calme. Peut-être même demain, je vais te remettre tout ce que tu veux là. Demain? Mm-hmm. Faut faire vite. Moi, je dis seulement ça parce qu'il y a aussi d'autres. Tu n'es pas le seul. Hein? Faut faire vite. Pourquoi? Tu n'es pas le seul. Donc, tu crois que tu étais le seul pour t'en aller de ma soeur? Donc, il y a plusieurs gars qui s'intéressent à ta soeur. Il y a des gars qui veulent ta soeur. Il y a d'autres gars, non? Ok. Là, demain. Demain, je viens avec ta liste. Je vais acheter tout ce que tu auras besoin. Je viendrai te donner. Ok. Mais à une seule condition, que tu gardes bien ta soeur. Veille sur ta soeur. Si des guerres cherchent ta soeur, tu m'appelles. Tu as compris, non? Mm-hmm. Je peux te faire confiance. Oui. Comment tu dis mm-hmm, comme si tu n'étais pas d'accord. Rassure-moi. C'est aussi un deal que nous sommes en train de passer. Mais il faut que tu fasses aussi vite, non?
Peut-être que demain je t'achète ça là, non. Mais pourquoi ton esprit un peu... Tu m'as l'air d'avoir un esprit un peu développé comme ça. Tu as l'habitude de faire ça. Le gars là, c'est qui? Bon. Ok. Si j'achète les choses là, je vais faire comment pour te retrouver, pour te remettre ça? Vous habitez... Votre maison, c'est où? Non, ne t'inquiète même pas pour le côté. Je vais te retrouver. Tu vas me retrouver comment? Mais les deux fois qu'on s'est vu, qui a d'abord trouvé l'autre? C'est moi ou c'est toi? Si tu veux, je peux même te dire où tu as dormi. D'accord. Allez, demain. Je suis un peu pressé. Mm-hmm. Le gars là, c'est qui? C'est un gars là qui veut s'embrouiller avec ma soeur. S'embrouiller comment? Ah, il va acheter les robes, les talons, les biscuits, les chocolats, les trucs comme ça, non? Il ne donne pas ta part. Mais il va donner ma part, non? Tu vois que c'est un enfant. Si ce n'est pas ma paix, je veux tout gâter. Tu vas tout gâter, quoi? Quand il commençait mes choses, tu étais là. J'étais même assis où il y a le banc là. Tu étais assis où il y a le banc, c'est ça. J'ai vu comment tu l'en causais avec lui. Non, tu crois qu'elle n'est pas vue là-bas. C'est bien. Tu as acheté tes biscuits là tout à l'heure, tu as mangé, tu ne m'as même pas donné. Je t'avais donné ça là, non? Je l'ai donné. Non, faut pas me l'enfer, les machins là. Je parle même souvent à qui comme ça? Je parle à toi. Je parle à toi. Tu es là-bas, chiche. Marche là-bas. Bon, mon gros. Dis au boy. Domestique, il n'y a rien. Ça va? C'est que. Donc le ballon est calé ici en haut, c'est ça que je venais enlever. Tu as couvé. C'est comme si ce n'est pas sur la branche ici, c'est sur l'autre branche. Ok, je te laisse alors chercher ton ballon. Bonne journée. Glenza. Viens. Viens quoi? C'est que... Je venais voir si les prunes étaient bien noires. C'est comme si le prunier s'y m'a attrapé. Ça t'a attrapé comment? Le prunier attrape bien les jambes. Et qui est? Mais reste là-bas, non. C'est peut-être le prunier qui veut que tu restes là-bas. Il faut rester. Donc tu es venu voler? Non, comme je t'ai dit que je venais voir si le prunier était noir et rouge, non. N'est-ce pas, hein? C'est noir. Continue à tâter. Tu as la chance qu'il est sur de bonne humeur ce soir. Sinon, il est où? Tu n'as pas vu le remède avant de monter. Tu connais mon père, non? Tu sais que si mon père te couvait la belle, il te fait quelque chose, non? Tu connais mon père, non? Je connais ton père. Domia Zangba Mki, tu peux pas demander. Il allait me tuer. Tu as la chance. Suzu. Amanile. Sougenye, sougenye. Descends. Tu vas encore voler. Je n'ai pas pu revenir. Une minute. Attends, alors je descends. Tu vas partir, la peste, ça va m'agrapper encore. Ok, tu vas. Attends. Hey! Pizzo! Ça va, quand? Ça va, quand? Ma prière va, quand? Je ne sais pas, ne me parlez même pas. Attends, des bisous. On a hâte de le non, 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 toi tu étais le premier à fuir. Après toi tu as suivi. Non. Ça, c'est pas être frère. Ça, ce n'est pas l'union entre les frères. Del Pizzo! Nous-mêmes, notre journée n'a pas été facile. Nous sommes allés chercher Biakol, on ne l'a pas retrouvé. Maintenant, comme on avait faim,
Nous sommes venus pêcher ici là. On a demandé les cannes à pêche là-bas. Nous sommes venus pêcher. Regarde ce qu'on a déjà attrapé. Non, vous avez volé les cannes à pêche là. Moi, je savais que comme il y a le poisson là, on prépare, on vient te donner. Le vol vous a même fait quoi? Et puis on n'a pas volé. On a volé comment? Si on a volé la canne à pêche, on a volé le poisson. Hein? Donc, fais très attention. Hein. Toi, je ne sais pas là-haut comment tu as. C'est parce que tu veux toujours réfléchir avec la première idée. Ce n'est pas tout.